Sabrix, tu demandais sinon AMD concurrence Nvidia niveau CG, quelles sont les différences perf conso? Ont-elles de pair avec le processeur? Tu sais m'éclairer un peu, je connais pas vraiment AMD. Alors en fait, là, AMD sur les RX 6000 qu'ils ont annoncé en octobre, en termes de performance brute en rendu 3D dans les jeux, sans ray tracing, sans DLSS, etc., ils sont remis au niveau par rapport à Nvidia. Donc c'est déjà un gros pas pour AMD. Le rapport FPS prix. Dans ce qu'on appelle la rasterisation classique, donc sans ray tracing, sans DLSS, AMD est vraiment revenu sur le devant de la scène, on va dire. Et ils ont enfin réussi à proposer des grosses cartes graphiques qui déboîtent là où AMD avait toujours eu du mal, en fait, sur les cartes haut de gamme à concurrencer Nvidia. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient plus vraiment réussi à concurrencer Nvidia sur le haut de gamme. En termes de consommation, les TDP par rapport à Nvidia, c'est à peu près similaire. En gros, t'as la 6800 XT qui est dans les 300 watts, ce qui est similaire aux 320 watts de la 3080. Donc ils sont même un petit peu en dessous en termes de conso, mais ça se joue à pas grand-chose. Après, par contre, là où AMD pêche encore un petit peu sur les RX 6000, c'est qu'en ray tracing, il y a des cœurs dédiés au ray tracing, mais c'est une première génération pour AMD, et du coup, c'est beaucoup moins performant. Ces RX 6000 sont beaucoup moins performantes en ray tracing que les RTX 30 d'NVIDIA, puisque eux, ils ont déjà la deuxième génération d'RT Core, ils ont fait des améliorations à ce niveau-là. Il n'y a pas l'équivalent, pour l'instant en tout cas, du DLSS 2.0 d'NVIDIA, qui lui utilise les Tensor Core sur les GPU NVIDIA depuis les RTX 20. Et du coup, AMD, ils n'ont pas de cœur dédié ils n'ont pas d'équivalent au Tensor Core d'NVIDIA. Après, d'ici l'été, il devrait y avoir le Fidelity FX Super Résolution qui, en se basant sur l'API DirectX ML, Machine Learning, devrait proposer une alternative. Il faudra voir ce que ça va donner en pratique. Mais ça fait que AMD a encore un peu des lacunes à ce niveau-là. Mais c'est quand même. Là, les RX 6000, c'est quand même une génération très encourageante pour AMD. Puisque je pense vraiment qu'avec les RX 7000, quand ils vont un peu repeaufiner leur architecture RDNA, s'améliorer sur ray tracing, éventuellement avoir un bon équivalent au DLSS 2.0, AMD sur les cartes graphiques, ils pourraient vraiment ramener une bonne concurrence comme on aime sur les cartes graphiques. Et j'espère vraiment qu'ils vont y arriver, parce que la concurrence, généralement, c'est bénéfique pour le consommateur. Ce qui est aussi très impressionnant de la part d'AMD, c'est qu'ils ont même réussi à venir titiller la 3090. L'équivalent des Titans RTX et autres conneries qu'il y a eu par le passé. Et ça, c'est quelque chose qui était quasi impensable pour AMD il y a pas si longtemps. Donc c'est vraiment ouf. Et du coup, ça va potentiellement. Alors là, les stocks sont limités, donc il semblerait que Nvidia ait temporisé, mais ça devrait faire réagir Nvidia qui, pour concurrencer justement cette 6900 XT, devrait. Proposer une 3080 Ti. Alors les rumeurs, ça fait des hauts et des bas, mais il devrait y avoir dans les prochains mois une 3080 Ti qui pourrait justement venir concurrencer cette 6900 XT qui a été annoncée pour rappel à 1000$. Le truc, c'est qu'ils souffrent des mêmes problématiques que Nvidia et même encore plus sur la partie disponibilité. Ils passent par TSMC pour ces puces-là, pour les RX 6000. Passe par TSMC en 7 nano, et c'est le même process que pour les consoles PS5 Series X, que pour les processeurs de PC fixe et de PC portable d'AMD. Donc ils sont vraiment sur un nœud de fabrication qui est vraiment saturé, et où ils sont vraiment en galère de capacité de prod et de production qu'ils ont de disponible chez TSMC. Donc c'est pour ça que les stocks sont vraiment calamiteux. Encore plus que Nvidia qui eux passent par Samsung en 8 nanomètres. Risa, tu demandais, mais pour le stream, est-ce que les cartes graphiques d'AMD sont aussi bien gérées que les cartes Nvidia sur OBS? J'avais oublié ce point. Effectivement, bonne remarque, Risa. Le petit truc qui manque à AMD aussi au niveau des cartes graphiques, c'est un encodeur vidéo qui déboîte. Nvidia, ils ont NVENC, et l'encodeur NVENC depuis la RTX 20, il est vraiment, vraiment, vraiment insane. Et ça remplace vraiment, ça arrive au niveau de ce qu'on fait avec de l'encodage processeur. Et du coup, pour ceux qui veulent streamer ou record leur game sans avoir trop d'impact sur le processeur, parce qu'ils ont peut-être juste une petite puce 6 coeurs ou moins, qui peut vite galérer si jamais on fait du stream plus du jeu gourmand, bah ça, NVENC, clairement, c'est une vraie force
pour Nvidia. Et là, AMD, ils ont du retard là-dessus aussi. Donc ça va être un des autres points qu'AMD va devoir améliorer pour vraiment frapper fort face à Nvidia.